كشم ذي القصد سيدي ربي غيتو دارتينك كشم هذه اللي هو الساقي غادي اللي هو الساناقي هذه اللي هو الساد والسكا لا سني غادي كشم ستلقيت كما زمرا دينيا ذي القصد سيدي ربي غيتو دارتينك الواد سيدي ربي غيتو دارتينك او هللويا تنمير سوا باربن مستيدت هذا الصحابه باربي شتش ضربينا داك الشيء اللي ضربيني غير السكوسن دي السوان داك نهاس نشوكن داك نرقيقس داك الشيء اللي ضربيني دي تمدو نسيرم داك الشيء اللي ضربي قلان داك شرايلي فلاش انت شلا يا مغنى سيدي ربي داك اسم يسوع المسيح امين يا رب هللويا نقيمة كاسي في دين ويدي في الدن هذا في الدن ويدي قيمن بيان سور مزمرن ما فغندغن انشرك شران تصدرين دكوان سيدي ربي دي زبور ويس 146 لو بسوم 146 يصدر تيس خمسة هيدي نيستروميس ازناو ستقبايليس يسي كيلتليقنا هيد داوزا ماشي دلا هدا مي ما راد نتقضي مسلي انا كي نتقيتني تسي تلقيتيني تجد اصلا داك الشب من الاخر وكيد هو ربي امين وكيد هو ربي هللويا اورو سولوي كي ا بور سكور لو ديو دو جاكوب اورو سولوي qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu, la Sazin, Winakni, Iteren Sirminus, Derbin Yaakov, Iteren El Tsileninus, de Gumaral Siderbinus. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. هللويا نزمر اسلو تفوس امين يا رب هللويا امين هللويا Yeah.
Jeûne et de prière. Et demain, eh bien, le jeûne va se terminer avec le culte. Mais tout au long de cette semaine, nous savons que le Seigneur a déjà béni.
Nous avons été bénis individuellement. Au travers des moments de louange. Au travers des moments d'enseignement. Et je crois que pour certains, nous avons été bénis parce que nous avons reçu des directions. Et lorsque j'ai démarré mardi ici, pour ceux qui étaient là, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans ces réunions, le Seigneur peut vous parler. Au travers d'un chant. Au travers d'un moment où on est en train de prier. Au travers d'un moment prophétique. Et bien sûr, au travers de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire personnellement. Et vous êtes venus les uns et les autres avec des attentes particulières. Certains, vous cherchez une réponse de Dieu. Certains, vous priez Dieu pour avoir une délivrance dans tel domaine. Et pour d'autres, il y a encore tout un tas peut-être de questionnements auxquels vous n'avez pas encore la réponse. Mais dans ces moments de jeûne et de prière où l'Église est rassemblée autour du Seigneur, Dieu veut te parler. Et dans tout ce qui a été prêché, évoqué tout au long de la semaine, ne dis pas c'est pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose pour toi. Et vous pouvez, dans ce que maintenant je vais prêcher à nouveau, vous pouvez prendre quelque chose de Dieu pour vous. De Dieu pour toi. Dans ce que je vais partager, tu peux trouver la réponse de Dieu à la question que tu lui as posée. Parce que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il est important que tu saisisses ce matin ce qu'il veut te dire. Il y a de cela, on va dire, une quinzaine d'années. J'étais dans les débuts de mon ministère. Et le Seigneur m'avait fait la grâce d'aller, c'était d'ailleurs la première fois où j'allais à l'île de la Réunion. Et alors que j'étais jeune dans le ministère, c'est la seule fois aussi où ma femme a pu m'accompagner aussi loin. Et nous sommes restés une semaine. Et on a visité les églises et c'était des temps d'évangélisation. Et je me souviens qu'un soir, j'étais dans l'église du pasteur Chanto. Cet homme est resté d'ailleurs un ami. Parce que pratiquement tous les deux ans, je retourne dans cette église. Et c'est une église qui bénit mon ministère aujourd'hui encore. Cet homme est devenu un réel ami pour moi. Alors que, comme à l'époque je disais, j'étais jeune dans le ministère, cet homme m'a toujours fait confiance. Et quand je dis que cette église est une bénédiction pour moi aujourd'hui, non seulement cette église prie pour mon ministère, mais ils me soutiennent financièrement. Et je dis ça pour dire que Dieu avait préparé les choses pour moi. Et donc la première fois que j'étais dans cette église, un soir, je faisais un concert où je chantais et j'encourageais les gens, j'exhortais. Et à la fin de la réunion, une jeune femme vient me trouver et elle me dit,
Vous savez, frère, ce soir, dans ce que vous avez partagé, j'ai trouvé la réponse. Parce que ça fait 15 ans que je prie pour quelque chose. Et ce soir, dans ce que vous avez partagé, dans ce que vous avez prêché, j'ai trouvé la réponse de Dieu. 15 ans que je prie. Mais le Seigneur aurait pu lui donner la réponse avec quelqu'un d'autre. Il a fallu que je fasse des milliers et des milliers de kilomètres. Que je me trouve là. Que cette jeune femme soit attentive à ce qui s'est passé dans cette soirée. Et dans ce que j'ai pu partager. Malgré que c'était un concert avec exhortation. Elle a pu trouver la réponse de Dieu après 15 ans de prière. Oh, je lui ai pas demandé ce que c'était. Mais je sais que Dieu est grand et bon. Ça a été un encouragement pour moi. Parce que le Seigneur est bon. Et non seulement il m'a encouragé, moi, mais encouragé cette jeune femme. Et ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Parce que tu peux trouver quelque chose de Dieu dans ce que je vais partager. Alors ouvre ton cœur. Et crois que Dieu va te parler. Pour certains, vous n'étiez pas là depuis le début de la semaine. Et j'ai demandé si les enregistrements, donc on pouvait les avoir. Et visiblement, les enregistrements donc, qui vont passer plus tard dans une autre télévision, vous pouvez normalement les demander ici pour les avoir et les écouter vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que certains, vous n'avez pas assisté à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la semaine. Mais je crois que réellement, le Seigneur nous a donné aux uns et aux autres de bonnes choses. Et vous pouvez, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être demander l'enregistrement ou aller sur YouTube. Et prenez le temps d'écouter ce qui a été dit à l'église. Parce que certainement, peut-être que vous avez déjà eu des échos de frères et de sœurs qui ont été bénis. Mais vous pouvez peut-être, avec les enregistrements, revivre quelque chose en étant à la maison seul avec le Seigneur. Et écoutez ce qu'il a encore à vous dire. Amen. 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 Allez, entrons maintenant dans le sujet que je veux développer ce matin. Parce que le temps passe très très vite. Et ensuite, il y aura encore le pasteur, mon ami le pasteur Christian, qui va continuer. Et moi, je conclurai en fin de soirée. C'est vrai que vous allez entendre encore beaucoup de choses aujourd'hui. Et il faut digérer tout ce que nous apprenons. Donc j'aimerais encore vous encourager au travers de ce message. J'avais dit hier que lorsque je me préparais pour venir ici, le Seigneur m'avait mis à cœur deux messages que j'avais déjà prêchés dans l'église où je suis engagé. Le premier, je l'ai prêché hier, ce sont les obstacles qu'il y a à la prière lorsque nous voulons recevoir certaines choses, on va dire. Parfois, nous prions et nous voyons qu'il y a des obstacles, c'est-à-dire nous prions et nous voyons que nos prières ne dépassent pas le plafond. Il y a comme quelque chose qui bloque nos prières. Et on a vu tous ces domaines où la prière pouvait être bloquée. Donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais
prenez le temps peut-être d'écouter les enregistrements. Le deuxième message donc que le Seigneur aussi m'a mis dans mon cœur de vous apporter, c'est celui-là maintenant. Et le titre que je lui ai donné, donc vous le voyez déjà derrière, c'est le dernier message que j'ai prêché dans l'église où je suis engagé. Donc, il y a peut-être deux mois de cela. Parce que notre église aussi est dans un processus où nous voulons vivre le réveil. Et lorsque nous jeûnons et prions, c'est parce que nous voulons aussi que Dieu agisse dans notre pays. Et le titre que j'ai donné donc à ce message, c'est « Vivre un réveil est possible aujourd'hui ». Amen. Amen. Vivre un réveil est possible aujourd'hui, mes amis. Vivre le réveil ici en Kabylie est possible. Et vous en êtes déjà le résultat. Et vivre ce réveil est possible, mais il est possible d'abord dans ma vie. Et dans l'église. Mais aucun réveil n'a lieu s'il ne commence par toi. Quand nous prenons les histoires des réveils qui ont eu lieu à travers les siècles, tous ces réveils qui nous sont racontés, qui se sont passés dans bien des pays. Et quand je préparais ce message, j'ai pris le temps de lire des récits d'hommes de Dieu qui ont vécu des réveils. Et avant que le réveil ne vienne dans l'église, ça commençait toujours par un homme, une femme, un groupe de gens qui avaient à cœur leur pays. Mais il y avait ce désir avant tout que eux-mêmes vivent quelque chose avec le Seigneur. Et je crois que la lignée qui a été donnée cette semaine ici dans ce jeûne et prière, c'est que tous vous retrouviez une intimité avec Dieu. Parce que sans intimité avec Dieu, pas de force, pas de réveil. Mais lorsque tu vis quelque chose avec Dieu, alors Dieu peut enclencher quelque chose pour un réveil. Alors le réveil n'est possible que si toi tu es réveillé. Parce que comment réveiller un pays, comment réveiller des personnes si toi tu ne vis rien avec Dieu? C'est lorsque toi tu vis une intimité avec Dieu que quelque chose va se passer, parce que en te regardant, les gens vont être touchés, contaminés. Donc le réveil est possible. Mais il commence par ta vie. Et nous voyons dans la Bible, par exemple, le premier réveil qu'il y a eu au temps de la première église. Ce réveil a eu lieu lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit avec les disciples. Lorsque Pierre était avec les disciples dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est venu,
ils ont été tellement pleins de cette onction de Dieu. Alors qu'avant, ils avaient peur et ils se cachaient dans cet endroit pour prier. Mais il y avait un désir aussi de faire connaître cette bonne nouvelle partout, là-bas, à Jérusalem et dans toute la Judée. Et que cette nouvelle puisse se propager dans le monde entier. Et le Seigneur leur avait dit, mais restez tranquille pendant un certain temps, et quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins partout. Et lorsque Pierre va prendre la parole après avoir été rempli du Saint-Esprit, et qu'il a fait cette belle prédication devant des milliers et des milliers de gens à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le premier réveil de l'histoire de l'Église va avoir lieu. Mais remarquez bien que ça a commencé par quelques personnes remplies du Saint-Esprit. Et à cause de cette recherche où ils recherchaient Dieu dans ce lieu-là, il y avait un désir d'aller plus loin, d'être rempli et d'être un témoin de Jésus pour prêcher cette parole. Lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'étaient plus les mêmes hommes. Ils n'avaient plus peur de rien. Et ce jour-là, l'onction est tellement forte sur Pierre que le Seigneur va lui dire, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Et lorsque Pierre va prêcher ce beau message de l'évangile, et qu'il y a là toutes sortes de gens qui sont réunis à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte, il est dit que ces gens, après avoir entendu la prédication de la parole, c'est quelque chose qui les a tellement impactés, tellement touchés, qu'après avoir entendu cela, le verset 37 du chapitre 2 des Actes nous dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les gens ont été tellement touchés par cette prédication de Pierre que c'est eux qui sont là devant lui et disent, on sait que ce que tu as dit est vrai. Ils sont bouleversés intérieurement et ils disent, ils eurent le cœur touché. Ils eurent le cœur, dit le texte, vivement touché. Et quand on regarde ce que ça veut dire littéralement, dans le texte original, ça veut dire ils eurent le cœur transpercé. Ils eurent le cœur transpercé par la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. Parce que ce n'était pas simplement une parole empreinte de paroles d'hommes, mais c'était une parole empreinte de l'Esprit de Dieu qui allait directement au cœur. Et alors que parfois nous dans nos églises nous sommes en train de prêcher, et qu'en tant que prédicateur, en tant que pasteur, on essaie de faire de notre
mieux pour communiquer cet évangile. On a l'impression que les gens sont ailleurs. Et qu'ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Mais ce jour-là, c'est pas Pierre qui va vers les gens. C'est ces gens qui sont là en train de l'écouter, qui viennent vers lui. Et ils ont tellement été touchés, impactés dans leur cœur. Qu'ils sont ébranlés intérieurement. Et ils disent, on sait que ce que t'as dit Pierre est vrai. On veut connaître ce Jésus parce que nous avons vu et nous entendons que ce que tu dis est vraiment la parole de Dieu. Et dans cet auditoire, il y a des gens en pleurs, il y a des gens qui sont peut-être à genoux et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, Pierre ? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et une des choses qui se passe dans les réveils, c'est qu'il y a un retour à la repentance. Un retour à la repentance. Un retour aux valeurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors vivre un réveil aujourd'hui, c'est possible. Dans ma vie et dans l'église. Et je crois que c'est possible aussi ici. En tout cas, c'est ma prière. Que vous ne commenciez pas à penser en disant nous sommes 1000 dans cette église. C'est déjà beaucoup. Oui, mais Dieu veut en sauver beaucoup d'autres. Ne limitez pas Dieu. Parce que comme nous venons de le lire, la suite du texte du chapitre 2 des Actes nous dira, ce jour-là, 3000 âmes se sont données au Seigneur. 3000 âmes ont fait grandir l'Église. Croyez-vous que Dieu peut vous donner plus? Amen. 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 Alors le réveil commence par ta vie. Et on va le voir. La définition du réveil. Alors, pour moi, la définition du réveil, c'est ce verset. C'est un avis personnel. Il y a d'autres versets dans la Bible qui parlent du réveil. Mais je trouve que ce verset de 2 Chroniques 7, et c'est un verset que vous connaissez tous. Vous l'avez déjà certainement lu bien des fois. Et moi, c'est un verset qui m'a toujours touché. Et pour moi, il définit bien ce qu'est un réveil. Et là, il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Voyez ce que je vous ai déjà dit, c'est déjà écrit là-dedans. Si mon peuple s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, quelle va être la conséquence de ça? Le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et Dieu veut guérir l'Algérie. Dieu veut guérir
la Kabylie. Parce que lui, il voit partout ce qui se passe. Et il voit des âmes qui ont soif de lui. Des hommes et des femmes qui crient à lui. Et le Seigneur vous appelle en tant qu'église ici à être réveillé chacun personnellement pour être ses témoins qui au travers de votre intercession allez guérir le pays. Oh alléluia. Au moment où le Seigneur est en train de parler à Salomon, la dédicace du temple avait déjà eu lieu. La dédicace du temple, l'inauguration du temple. Et il est en train de lui dire ceci. Et la suite du verset, le verset 15 est très importante. Et il dit à Salomon, mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Alléluia. Et c'est la même chose pour vous, je le crois. Si vous cherchez Dieu, si vous vous humiliez devant lui, si vous cherchez sa face, Dieu va vous exaucer. Et ses yeux seront ici, dans cette église à Tizi Ouzou. Cette église qui est le temple de Dieu. Je ne parle pas des murs, mais je parle de vous qui la représentez. Les yeux du Seigneur seront ouverts ici désormais. Ses oreilles seront attentives à la prière qui sera faite dans ce lieu. Et depuis le début de la semaine, le Seigneur a entendu toutes vos prières. Et il veut les exaucer. Mais les conditions, c'est s'humilier. Prier, chercher sa face, se détourner des mauvaises voies. Et le Seigneur nous promet de nous pardonner et de guérir notre pays. De guérir votre pays. Un autre homme, cette fois-ci, Toré, un homme remarquable aussi. Vous l'avez derrière. Il a dit, pour lui, la définition du réveil, c'est le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché. À aimer Dieu et à être zélé pour le servir. Amen. Amen. Et c'est vraiment cela. Le réveil, c'est une visite. Lorsque Dieu visite son peuple, afin qu'il haïsse le péché et puisse tout à nouveau aimer Dieu de tout son cœur et être zélé pour le servir. Peut-être que certains vous venez ici par habitude, par routine. Vous ne pensez même plus aux autres qui ont besoin d'être sauvés dans votre pays. Vous vous contentez de votre vie chrétienne alors que le Seigneur a besoin de vous pour que d'autres soient sauvés. Billy Graham a dit aussi, le réveil est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration pour Jésus-Christ. Le
où l'amour et la consécration se transforment en amour pour Jésus-Christ. Quand vous prenez Torres, ce serviteur de Dieu, et Billy Graham, ils n'ont pas vécu aux mêmes époques. Mais quand vous prenez ces citations, elles vont toutes dans le même sens. Le réveil est un retour à Dieu, à une consécration nouvelle, où nous mettons nos vies en règle. Oh, alléluia. Alléluia. Ensuite, Charles Finney. Oh, mes amis, je vous en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps. Si vous connaissez la vie de Charles Finney, un des hommes extraordinaires que Dieu a utilisé dans le réveil aux États-Unis. Quel homme de Dieu! Combien la vie de cet homme que je respecte m'a tellement touché. Quand je lis ce qu'il vivait avec Dieu, j'ai soif aussi de le vivre. Je suis tellement loin d'être à son niveau. Mais ce que je lis de lui m'encourage aller plus loin. Comme je l'ai dit en début de semaine, pour être une bénédiction pour les nations, pour être une bénédiction pour ma famille, et pour être une bénédiction pour l'église où je suis engagé. Il a dit, le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance à Dieu. Il consiste dans l'abandon pour l'église, de son relâchement et de la conversion des pécheurs. Le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance. Et que l'Église revienne à sa fonction première. Ne plus vivre dans le relâchement, mais de vivre dans la conversion des pécheurs. Et nous le verrons tout à l'heure peut-être. Ensuite, dernière définition du réveil. Pendant le réveil du pays de Galles, là aussi, donc c'était en Angleterre, le réveil du pays de Galles, ça a été certainement le réveil le plus important du XXe siècle. Et Dieu a pris un jeune homme de 20 ans qui s'appelait Evan Roberts. Et quand ce pays de Galles a été visité par Dieu et le réveil s'est propagé partout, on retrouve dans les écrits de l'époque la citation que je vais vous lire. Et il est dit qu'il y a une jeune fille captura l'impression du moment et en s'exclamant. Il y avait tellement de gens qui travaillaient dans la mine, des gens qui buvaient beaucoup dans cette nation. Et les gens se convertissaient par dizaines de milliers. Il est dit que quand on prend les récits, eh bien, ceux qui travaillaient dans la mine sortaient avant l'heure pour pouvoir être dans la réunion. Parce qu'ils ne voulaient rien manquer de ce qui se passait dans ces moments où le Seigneur visitait les gens. Il est dit à propos de ce réveil que les gens qui avaient des magasins fermaient leurs magasins avant l'heure pour venir assister aux réunions de l'époque. Et cette jeune fille qui est là et qui assiste à ce réveil, tellement extraordinaire, dira que sera le ciel si c'est si beau maintenant. Que sera le ciel si c'est si beau déjà maintenant? Le ciel, ce sera merveilleux, mais
ce qu'on vit là, la visitation du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc elle se disait, mais si déjà ici c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça va être là-haut ? Mais il a un il le réveil qui a eu lieu là-bas a bouleversé tellement de gens. Il est dit même que lorsque dans le monde entier ce réveil était connu. Et lorsque dans un pays on commençait simplement à lire une feuille de journal avec ce qui se passait dans le pays de Galles. Et imdanen len qarn dakhl gouthnt warqat lkmas lkmalis nel jarnan qarn da chou qdaron di thmourthaqia. Et bien lorsque quelqu'un lisait une feuille de journal dans un pays, ça enclenchait un réveil. Et mariili imdanen qarn da chou qdaron qol ba'd ntmoura ayni zmer diawi thakhin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Fahma ma chou vghira on dinir. Le fait que dans un pays on parle du réveil du pays de Galles. Et mekni len hadron di thmourth nidan ghaf thakhin di len di thou di pays de Galles. Le fait de lire ce qui se passait là-bas. Mekni len qarn ghaf chou di dharon di lan. C'est comme si l'onction de Dieu lorsque les gens lisaient se propageait dans ce pays. Mekni dhana rabbi mara qarn imdanen srouhou ar thmoura nidan. Et dans plein de pays, il y a eu un autre, des réveils qui ont été enclenchés à cause du réveil du pays de Galles. Dont le réveil aussi aux États-Unis des églises pentecôtistes. Tout ça a eu lieu grâce. Grâce à Evan Roberts. Evan Roberts. Un jeune homme. Qui avait tout juste 20 ans et qui avait soif de vivre quelque chose avec Dieu. Un jour, un diacre va lui dire, écoute, Evan, s'il faut que tu viennes à toutes les réunions, et particulièrement les réunions de prière, parce qu'il peut que le Saint-Esprit vienne nous visiter, il faut que tu sois là. Et les récits nous disent que pendant 13 années il était dans toutes les réunions de l'église. Il avait soif que Dieu vienne les visiter. Et après 13 ans où il a fréquenté les réunions, un jour il sort de l'école. Et lorsqu'il est chez lui, alors qu'il est en train de prier, le Seigneur va le visiter avec puissance. Où il va mettre une crainte du Seigneur dans son cœur. Et ça va être la première expérience qu'il va vivre avec Dieu. Avec le Seigneur. Et il y avait une telle crainte dans son cœur qu'il n'osait plus aller à l'école. Il n'osait plus aller à l'église. Il voulait être dans la présence de Dieu et garder ça. Et puis beaucoup plus tard, le Seigneur l'a encore visité. À nouveau dans sa chambre. Et là, il lui révèle encore avec puissance ce que Jésus a fait à la croix pour lui. Et il va comprendre combien Jésus a souffert à la croix. Et dans ce moment d'intimité qu'il a avec Dieu, Dieu lui révèle la puissance de la croix qui sauve les pécheurs. Le Seigneur va aussi lui dire, ton pays va connaître un réveil. Et il est tellement rempli du Saint-Esprit. Il nous a dit qu'à ce moment-là, il y a un de ses amis qui arrive. Et quand il arrive devant lui dans la chambre, il est dit qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Un jeune homme de 20 ans. Et il dira à son ami, est-ce que tu crois que Dieu peut sauver 100 000 personnes dans notre pays? Et
Et ce réveil va connaître environ à peu près 100 000 personnes qui vont se convertir. Quand on prend la vie de Evans Roberts, un jeune homme de 20 ans, quand on prend les écrits, ce qu'on dit sur lui, il est dit que c'était un jeune homme qui ne savait pas beaucoup prêcher. Il est dit encore de lui, ce sont les textes qui le disent, que ce n'était pas un bon leader. Mais que c'était un bon suiveur de Jésus, Autrement dit, un bon disciple. Et malgré qu'il ne savait pas beaucoup prêcher, lorsqu'il va être visité cette première fois dans sa chambre, la deuxième fois, et que Dieu lui révèle la croix, ce qu'il a souffert, partout là-bas dans le pays de Galles, avec tous ses amis qui vont devenir des évangélistes, le message qu'il va prêcher, et ce sera le seul, il prêchera sur la croix. Le retour à la croix. Redécouvrir la croix. Ce que Jésus a souffert. Amen. Alléluia. Allez, je termine par rapport à lui. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en parlerai. Peut-être qu'après je vais oublier. Ce qui s'est passé aussi à la fin de ce réveil. Après que Dieu l'ait utilisé puissamment. Pendant des semaines et des semaines et des mois, il n'a pas arrêté de prêcher la croix avec ses amis partout et il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se convertissaient. Il nous a dit qu'à la fin, il était tellement épuisé, fatigué parce qu'il n'avait même pas le temps de manger. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va lui parler. Et le Saint-Esprit va lui dire, écoute Evans, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes un temps à part pour le Seigneur, pour te renouveler. Et c'est ce qu'il va faire, il va obéir. Et il est dit que pendant 7 semaines, où il s'est enfermé dans sa chambre, où il a recherché Dieu pour se renouveler. Il est dit qu'il a vécu, ceux qui l'ont vu après ont dit, à la fin de cette semaine de silence, Evan ne donna pas de détails sur ce qui s'était passé. Mais il était cependant évident pour tous qu'il avait une plus grande onction de Dieu. Après cette semaine qu'il a passée avec le Seigneur, où il n'a pas voulu donner de détails, mais il a tellement été renouvelé dans l'onction de Dieu que ceux qui le voyaient voyaient qu'il avait encore plus reçu du Seigneur, rempli de l'onction de Dieu. Et suite à cela, et on bad. Au lieu peut-être de continuer encore un temps le réveil, de continuer à prêcher, il avait tellement la crainte de perdre ce qu'il avait reçu dans ce lieu encore avec le Seigneur, cette communion intime, qu'à un moment donné il va dire j'arrête. J'arrête de continuer à prêcher parce que je veux garder ce que le Seigneur m'a donné. Et ce fut sa faiblesse.
Parce que la faiblesse, il est dit, la faiblesse pour Evan fut de se retirer avant le temps de Dieu. Et certains disaient que le grand succès qu'il avait eu enlevait la gloire à Jésus. Mais ça, c'était les gens qui disaient cela. Mais c'était complètement le contraire. Il a toujours donné gloire à Dieu. Mais il a vécu des choses tellement fortes avec Dieu dans ce dernier moment-là où il était fatigué, où Dieu l'a visité. Il a préféré se retirer. Et écoutez bien, au moment où il se retire, le réveil s'arrêta peu de temps après. Peu de temps après qu'il se soit retiré, le réveil s'est arrêté. Tout cela pour vous dire quoi ? Que quand tu vis un réveil personnellement et que Dieu met une onction sur toi, que tu sois un bon prédicateur ou pas, que tu sois connu ou pas, que tu sois pauvre, si Dieu met son onction sur toi, tu peux embraser tout un pays. Il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Oh, combien j'aime aussi Evans. Allez, on continue. Troisième diapo. J'aurai certainement pas le temps de finir. Mais deux choses arrivent pendant les réveils. J'ai constaté cela. Quand j'ai commencé à étudier les réveils qui se sont passés à travers l'histoire, j'ai remarqué qu'il se passait toujours deux choses. La première, comme vous le voyez, c'est quoi ? Un retour à la prière. C'est primordial. On l'a déjà vu dans ce que je viens d'évoquer. Mais chaque fois qu'il y a des réveils, une des choses que nous pouvons constater, c'est un retour à la prière. Et Charles Finet a dit, on peut s'attendre à un réveil quand les chrétiens sont poussés à le demander dans leur prière. Amen. Amen. Quand le réveil va venir, mais c'est parce que les chrétiens vivent quelque chose avec Dieu déjà personnellement. Et ensuite, ils sont poussés à prier Dieu dans ces réunions que nous vivons de jeûne et de prière et Dieu. Et il y a ce cri qui dit « Seigneur, visite notre pays ». Sauve. Parce que la prière, comme il est dit juste en dessous, fait mouvoir le bras qui régit l'univers. La prière fait bouger le bras de Dieu pour bénir, pour guérir, pour toucher une nation. La prière fait bouger le bras de Dieu qui régit, qui gouverne tout l'univers. Avec la prière, tu peux changer les circonstances. Avec la prière, tu peux aller là où personne ne peut aller. Parce que lorsque tu intercèdes avec tout ton cœur, Dieu écoute et il agit. Oh, mes amis, j'aimerais tellement que vous compreniez ce matin combien la prière est une bombe dont l'ennemi a peur. La prière est la clé pour le réveil. Alléluia. Amen. J'ai dit ensuite, oh qu'ils sont rares mes frères, ceux qui trouvent le temps de prier de nos jours.
دغني وريغد بلي اثمثن قليل وين يتفن الوقت تظلي تقوسناكي On a bien le temps pour tout le reste. نسعى الوقت وين النظن Pour dormir. نطوس Et pour manger. وكنا نوتش Pour lire le journal. وكنا نغار الجرنال Ou un livre. نغث كتاب Pour aller voir ses amis. نروح نرزو في مدوكلنا Pour toutes les innombrables affaires de la vie terrestre. الحوايج مرة الامور الدنيث Mais pour la prière. لا معنى يتظليث La chose la plus indispensable. الحاجة يوكيك ساعة نزال. La plus importante. تينيك ساعة نزال. La plus urgente de toutes. تينيك لقن. On n'a pas le temps. ونسعى على الوقت. Tu n'as pas le temps pour la prière. الوقت تزلظ. Je l'ai déjà dit cette semaine. نيختي دور ثقيا. Mais par contre, on a le temps pour tout ce que je viens d'évoquer. لا معنى نسعى الوقت وياكي يوكي تفزلا. Si tu n'as pas le temps pour la prière. ماذا قلنا ونسعى على الوقت تزلظ. Ne t'attends pas à avoir un réveil. وتراجو يا راه توالي التوحين. Dans ta vie et dans ton pays. في ثورتيك نا في ثمورتيك. Reviens à la prière, mon frère. Reviens à la prière, ma sœur. Reviens à cette intimité avec le Seigneur. Lorsque je lisais les histoires de tous ces hommes de Dieu, dont John Wesley, qui est le fondateur des églises méthodistes. Là encore un homme de réveil extraordinaire, lisez ses livres. J'ai trouvé cette pensée là. Qui parlait de Madame Wesley. Donc la femme du pasteur John Wesley. Et il est dit ceci, pensons à Suzanne Wesley qui... Pensons à Suzanne Wesley qui, de bien que étant mère, elle avait 19 enfants. Mais elle trouvait le temps de s'enfermer dans sa chambre chaque jour. Pendant une heure entière. Seule avec son Dieu pour prier. Non, mes amis, ce n'est pas tellement une question de trouver le temps ou que de prendre le temps à tout prix. C'est plutôt, nous pouvons le faire si vraiment nous l'avons à cœur. Si nous avons à cœur de venir devant le Seigneur, nous mettrons toutes les choses de côté et nous prendrons le temps dans notre agenda de la journée peut-être de consacrer 20 minutes une heure Mais ce temps-là va changer votre vie. Ne venez pas me raconter n'importe quoi. Madame Wesley avait 19 enfants. C'était une femme qui était débordée. En plus, elle avait son mari qui était dans le ministère à plein temps, John Wesley. Mais elle trouvait chaque jour un temps où elle pouvait se retirer dans sa chambre seule pour pouvoir vivre un temps d'intimité avec son Seigneur. Allez, mes sœurs, je vous encourage. Qui a 19 enfants? Aucune! Alors, pas d'excuses. C'est vrai qu'avec 3, 2, nous sommes déjà beaucoup débordés. Mais elle, avec 19 enfants, elle avait le temps de venir devant son Dieu. Quelqu'un a dit, si nous passions chaque jour plusieurs heures en prière, c'est John Nelson qui a dit ça. Vous ne manqueriez pas de voir de grandes choses. Et cet homme disait que c'était pour lui une règle de se lever vers minuit et de s'entretenir avec Dieu jusqu'à 2h du matin. Puis il se rendormait tranquillement jusqu'à 4h.
Et à 4 heures, il se levait. Et il commençait sa journée. Oh, quand je lis ça, je dis... Oh. Seigneur, comment il faisait ? Ouais, c'était le secret de son ministère. John Nelson était un serviteur de Dieu extraordinaire. John Nelson, il est venu à Chifazen. Il pouvait faire ces choses, il avait cette capacité. J'aimerais pas vous décourager en disant ces choses. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut passer 4, 2 heures, 5 heures. Si seulement vous pouviez, après cette journée, pour vous peut-être qui avez du mal à prier, dire Seigneur, je ne peux pas passer des heures dans la prière, mais je te promets qu'à partir de ce jour je vais au moins te consacrer 15 minutes. Et si vous arrivez déjà à consacrer ne serait-ce que 15 minutes dans la prière, vous verrez combien votre vie va commencer à changer. Et 15 minutes vont devenir 20 minutes. 20 minutes vont devenir 45 minutes. Ces 45 minutes vont passer à 1 heure. Et vous allez voir que vous allez commencer à apprécier d'être dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que des choses vont commencer à changer. Et je conclue en disant, et on l'a déjà cette semaine cité bien des fois ce verset. C'est le verset de Matthieu 6:6. Et là, je l'ai pris dans une version récente. Pour bien le comprendre. Et il est dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. C'est très important. Le secret, c'est vraiment d'aller dans ta chambre.
خلنا علي فرج Sen emin